Il est né le divin enfant, jour de joie aujourd'hui sur terre. Le même refrain dans toutes les paroisses du district d'Abidjan et partout ailleurs ce 25 décembre 2013. C'est Noël, les chrétiens du monde entier célèbrent la nativité. Et Noël, c'est la réalisation du mystère d'amour de Dieu. Vous savez, Dieu a créé l'homme dès le commencement du monde et l'a placé dans le jardin d'Éden autour de lui, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et par le péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Mais Dieu qui a créé cet homme et qu'il aime, a voulu le sauver, le réadmettre dans son intimité, dans sa paix, dans sa joie. Il n'a pas voulu le faire par la parole, il a voulu nous montrer sa preuve d'amour en nous envoyant son Fils, qui par sa mort et sa résurrection nous rétablit dans son intimité, nous rétablit dans son amour. Et aujourd'hui, l'Église nous donne de fêter donc la naissance de ce Fils de Dieu qui est venu pour le salut du monde. Et le Verbe s'est fait chair. Les fidèles sont en joie, sapins, illuminations, cadeaux, repas, tout sera mis en œuvre pour que la fête soit belle. Mais avant, la messe, un moment important pour se replonger dans l'intimité de la Sainte Trinité. La messe, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Quand on dit Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Donc ça veut dire c'est toute notre humanité, tout le peuple de Dieu qui est dans l'action de grâce pour ce mystère et cette joie que Dieu est avec nous. Noël, Dieu fait un cadeau à l'humanité, son Fils unique. Dans les familles, le geste sera repris pour le bonheur des tout-petits.